Oh, fail. Oh, sa mère. J'ai voulu faire mon kikou et j'ai... excusez-moi le terme, merdé. Cette fois, pas d'erreur, c'est le sieur. Hop, et voyons. Dans les bleus, ouais, donc ici c'est l'orange. On va essayer de faire un panier, hop. Et... d'accord, c'est pas ce que j'espérais, mais... J'ai pété la vitre. Reste sur le cube. Enfin, sur le bouton. Hop. Si vous vous demandez pourquoi des fois je me mets comme ça, c'est simplement pour que le texte de GLaDOS qui est en blanc soit plus lisible. Parce que blanc sur blanc, on voit rien. Je me demande pourquoi ils ont juste laissé ces trois triangles éclairés et deux autres qui s'éclairent après. S'ils auraient fait une sorte de... Oh la vache! Ça fonctionne sur Windows, ces conneries? Oh la vache! Ouais, donc je disais, le truc, ça devait... Don't mind me, just moving the old test chamber a little bit closer to me. Out of thought, maybe proximity to the test solving might give us stronger results. What was that? Nothing. Oh, sorry, I could have sworn you said something. Ça lag un peu, j'ai l'impression. Ouais, donc je disais, je me demandais pourquoi ils n'avaient pas éclairé les triangles un par un pour faire un point de chargement. La tourelle. La bouton pour récupérer un cube. Le cube, comment je le récupère? On va voir ça. Ah d'accord, il y a une plateforme de soutien, seulement ça le désintègre. Voyons voir. Oh. Là-bas. C'est bon. Bon, allons voir par là. Oh oh. You know what, not too many of right there. Monitors. I was actually thinking earlier today. I wish I had fewer monitors that were working. So you're just helping me, really, by special. Bah, je vais faire la même chose qu'avec le. Ouais, c'est bien ce qu'on s'en fait. On peut. Hop là. Pour les tourelles. Bah, c'est facile. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Il a déjà fait la même chose dans la dernière salle. Ouais, mais le cube. Le cube. Comment je fais pour le récupérer? Hop. Non, pas de déploiement. Pas de déploiement. Voilà. Hop. Hop. Et c'est parti. Ah. Je dépose le temps de créer un portail. Là. Et je suis tranquille. Are you sure you're solving these correctly? I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them, and you're picking all the worst ways. No, that was the solution. Ah, what am I missing? No. Comment je... Ah, d'accord. Voilà. Alors, un opérateur à réception œuvre occurée. Ouais, encore une fois, je comprends rien.
J'ai toujours été une quiche en langue, je vous le cache pas. C'est simple, on doit tout le monde doit choisir en plus de la langue de l'anglais une seconde langue à apprendre. Et moi, ma seconde langue, c'était l'espagnol et j'ai toujours eu des zéros. Tout simplement parce que j'avais pas envie d'en reprendre l'espagnol en fait. À l'origine, j'avais pris italien, mais j'ai dû déménager et ils n'avaient pas italien dans ma nouvelle école. Et l'espagnol m'a tiré. Oh, on a related note, I am going to need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. What? La moitié en biais. Ouais, donc je disais, du fait que j'avais déménagé et que ma nouvelle école n'avait pas de prof d'italien, j'ai dû aller en espagnol et l'espagnol, ça ne m'intéressait pas du tout. Déjà, l'italien c'était moyen. Je me rappelle aussi, mon père, il m'avait fait une blague. Il avait dit « Oui, voilà, dans cette école, il n'y a pas de prof d'italien, ni d'espagnol, ni d'allemand, parce que c'était les trois langues qui avaient disponibles dans mon ancienne école. Il n'y avait que russe et japonais. Donc, j'étais inscrit au russe. » Et moi, j'ai dit « Non, non, je vais étudier le japonais. » Mais en fait, ça, c'était une blague, parce qu'il n'y avait ni professeur de russe, ni de japonais. Pourtant, j'aurais bien aimé apprendre le japonais. Bon... On va peut-être revenir à l'énigme. Plateforme de lancement. Cube. Cube. C'est un truc. Là. Là-bas, il faut que j'aille là-bas, mais je ne peux pas à cause du rayon. Voyons voir. Ah bon, on va là déjà pour récupérer le cube. On va faire comme dans la salle précédente. Ah, sans le veil cette fois. D'accord, il s'est passé un truc, mais j'ai pas vu quoi. Oh. Ça doit faire des plateformes. Ça. Ah d'accord, il y a un interrupteur là-haut, donc ça a cligné l'un des trucs. Ce que ça fait si je mets le cube. Ça arrête la plateforme. Donc je vais pouvoir me propulser.